21h à Kinshasa. La nuit tombe en ce dernier jour du mois de décembre, le couvre-feu aussi. Un réveillon particulier qu'imposent les restrictions de la Covid-19. À la place d'une foule en liesse, célébrant la nouvelle année, c'est la police qui fait sa ronde dans les rues. Les consignes sont claires, pas d'affluence, ni des établissements en activité à partir de 21h, tout le monde à la maison. Quelques personnes, retardataires, s'empressent de regagner leur demeure par peur de passer la nuit dans un poste de police. 22h30, Charlène Lupongu, mécontente de la mesure, sort de chez elle pour s'acheter du jus pour la Sainte-Seine, à prendre à domicile. Malgré l'heure, elle brave la restriction. J'étais à la maison, j'étais sortie juste pour acheter le jus. Parce que couvre-feu, donc nous sommes obligés au Landa culte en ligne. Et puis, culte n'est pas directement accompagné dans la Sainte-Seine. Bon, c'est pour cela que je suis sortie pour acheter le jus. Bon, pour tout Landa culte, c'est ça. À chaque barrage érigé par la police, interpellation de contrevenants, contrôle de véhicules et d'identité. Aucune amende n'est réclamée, selon les responsables de la police. En cas de non-conformité, les personnes passent la nuit dans un poste de police jusqu'au petit matin. Ce réveillon de nouvel an n'est vraiment pas comme les autres sans doute. De loin, l'on observe quelques lumières des terrasses, bistrots, boîtes de nuit et maquis verrouillés de l'extérieur. Il faut consommer à tout prix. La folie du réveillon et la tentation sont grandes. Les audacieux osent le délit et enfreignent la loi. Malgré cela, la police est aux aguets et détecte quelques établissements qui violent les consignes, comme cette boîte de nuit. Monsieur, la force reste à la loi. C'est la police. Ouvre cette porte. Qui, jusqu'à 3h du matin, offre de la jouissance à plus de 100 personnes enfermées en son sein. La loi est là, le nouvel an aussi, et la police mobilisée à faire respecter la loi. Les fêtards ont été acheminés dans un poste le plus proche pour y passer la nuit.